Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à l'enregistrement des images prises sur Internet. Je vais vous montrer différentes méthodes. On va déjà chercher une image. On va prendre la tour Eiffel puisque c'est celle qui est libre de droit par défaut. N'oubliez pas que quand vous prenez des images, elles appartiennent à leurs auteurs, donc normalement toutes les images ne sont pas autorisées. On va prendre une image, n'importe laquelle. Donc la première méthode, simplement vous cliquez dessus, vous faites un clic droit et vous faites enregistrer l'image sous. Et vous choisissez la destination. Vous pouvez le faire autrement parce que URL c'est pas terrible. Vous enregistrez. Ça c'est la première méthode. Vous retrouvez donc votre image sur votre bureau ici. Une autre méthode, si jamais l'image, si le clic droit vous est interdit, donc vous ouvrez l'image. En admettant que ce fameux clic droit ne fonctionne pas, il y a un bouton sur votre clavier qui s'appelle Imp Ecr, qui veut dire impression écran. Vous appuyez dessus. Alors, vous verrez qu'il ne se passe absolument rien. Ensuite, vous démarrez un logiciel comme Paint, qui est en général intégré à l'ordinateur. Et vous faites coller. Vous retrouvez donc toute la capture de votre écran. Il vous suffit ensuite de renier les bords, de garder que ce que vous voulez, donc l'image. Voilà. Et vous avez vu juste votre image, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Pareil, vous choisissez l'endroit, vous changez le titre. Vous avez également votre image. Une troisième méthode, prendre une autre image. Par exemple, vous voulez enregistrer cette image, il vous suffit de faire Fichier, Enregistrer sous, et vous pouvez également changer le nom, encore une fois. Vous enregistrez, et elle est également sur votre bureau. Voilà, bonne journée.